Bonjour Brigitte, comment tu vas ? Pascal, ça va. Ça va ? Allez, pour changer, un petit tour avec un jeu de 52 cartes. Ouais. Tiens, ce que je vais faire, si je te fais choisir des cartes comme ceci, tu pourrais très bien penser que je te force la carte, parce que tu commences à me connaître. Alors ce que je voudrais faire avec toi, c'est te faire choisir une carte le plus naturellement possible. Mm-hmm. Regarde, je vais simplement passer mon doigt comme ceci. Dès que tu voudras, tu me diras stop. D'accord. D'accord ? Stop. Stop ici ? Non. Alors, je coupe honnêtement rien. Et je retourne les cartes. Alors, forcément, si je te dis de choisir une carte face en l'air, tu vas me dire, mais bon, tu connais la carte. Bien sûr. Évidemment. Alors, ce qu'on va faire, le plus simple possible, on va prendre la carte qui est face en bas, la suivante. D'accord. Mm-hmm. Et qui est le 10 de cœur. D'accord ? D'accord. Alors, ce que je vais faire, le 10 de cœur, pour pas qu'on puisse le perdre de vue, on va dire que le 10 de cœur, c'est ta carte. D'accord. Et je vais le mettre quelque part dans le jeu. D'accord. D'ailleurs, hop, on le voit parce que si vous regardez bien, je le laisse face en bas. Donc le 10 de cœur, c'est pour toi. On va le faire avec moi. Moi, je vais prendre l'as de pique, j'aime bien. Parce que tu sais pourquoi ? Parce que l'as de pique, c'est la carte la plus forte. Et c'est une carte aussi magique. D'accord. Vous le savez ? Non. D'accord. C'est une carte qui est vraiment très très magique. Ce que je vais faire aussi, je vais le mettre dans le jeu. Et très honnêtement, j'étale et je la laisse bien à vue. Voilà, bien à vue. D'accord ? Je vais prendre mon as de pique, qui lui est magique. Et je vais simplement le lancer dans ton jeu. Je vais prendre l'âme de ta carte, que je vais lancer dans mon jeu. D'accord. Ce qui en résulte, c'est que maintenant mon as de pique a voyagé. Ta carte, le 10 de cœur, ça me semble, a voyagé. Parce que si on regarde là, l'as de pique est apparu. Ouais. Et ici, ta carte est apparue. Eh ben. C'est beau ça ? Je suis impressionné. Hein. J'avoue. C'est bluffant. C'est bluffant, hein. Je t'avais dit que l'as de pique était une carte magique. Mais on peut aller plus loin. Ah ouais ? On pourrait aller vraiment plus loin. Par exemple, j'ai ici. Si je retrouve le porte, voilà, le mon portefeuille. D'accord. L'as de pique, regarde. Je le laisse dans mon portefeuille. D'ailleurs, je pourrais te le laisser. Mais simplement en soufflant, en le passant en dessous du jeu. Oui. Si j'ouvre, l'as de pique disparaît. Ah, c'est magique. Oui. S'il disparaît, instantanément, ses yeux, j'étale le jeu. Il se retrouve face en l'air. Extraordinaire. C'est super, hein. Il n'y a pas de mots, c'est magique, c'est beau ça. Bluffant. Mmh. Je suis impressionnée. Voilà, mes amis. Merci, Brigitte. De rien. À la prochaine, mes amis, et travaillez bien. Allez, bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir.